Hello tout le monde, on se retrouve sur Zelda Link's Awakening pour vous montrer comment accéder au village des animaux et récupérer la clé poisson pour atteindre le quatrième donjon. Trouver le village des animaux peut s'avérer compliqué car il est bien caché dans la prairie au coucou. Alors juste en dessous de la maison des coquillages, on trouvera un panneau qui nous indique que le village des animaux se trouve juste à droite. On s'aperçoit vite que c'est un cul-de-sac, mais en réalité, il faut couper le buisson pour y parvenir. Ici, on aura besoin des bottes de Pégase pour détruire le rocher. Et le village se trouve un tout petit peu plus au sud. À ce stade du jeu, le hibou nous a dit de nous rendre dans les dunes Yarna, mais on va avoir un petit problème car un gros morse bloque le passage. Il rêve de Marine et pour le réveiller, il va falloir la ramener auprès de lui. Vous l'avez sûrement remarqué, mais elle a pour habitude de chanter au village des mouettes. Du coup, on va prendre le téléporteur pour s'y rendre. Alors cette fois-ci, elle ne chantera pas au village, mais plutôt sur la plage. C'est tout au fond de la plage Coco que l'on retrouvera Marine et une cinématique va se déclencher. Par la suite, elle va nous accompagner et il faudra maintenant la ramener auprès du gros morse. Grâce à son chant, Marine va le réveiller et on pourra enfin accéder aux dunes de Yarna. On va alors se diriger vers le nord et dans cette partie, il faudra vaincre un mini-boss. Il n'est pas bien compliqué, il suffira juste d'attendre qu'il sorte sa tête du sable pour l'attaquer. C'est assez facile de prévoir où il va sortir car il laissera apparaître un monticule de sable. La seule difficulté est de ne pas trop aller vers le centre, sinon vous serez aspiré au sous-sol et il faudra revenir pour le terrasser. Après quelques coups, il laissera tomber la fameuse clé poisson qui va nous permettre de pénétrer dans le quatrième donjon. Du coup c'est tout pour cette vidéo, si elle vous a aidé comme d'habitude n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces, bye bye!